Bonsoir et bienvenue dans Mimi, c'est le numéro 7 du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous. Alors Jérôme, encore une semaine qu'on n'a pas vu passer. C'est voilà, ça passe à une vitesse et c'est incroyable. Et aujourd'hui, ben on a encore préparé à toutes les personnes qui nous suivent quatre nouvelles insolites de chacun. Et la première, je vais te la faire deviner. Parce qu'on n'a pas eu le temps d'échanger ensemble. Donc aujourd'hui, je vais te faire deviner les nouvelles qu'on va vous proposer. C'est vrai qu'avec Antoine, on se fait des petites surprises, en fait. On ne divulgue pas au dernier moment les sujets que l'on va aborder ensemble. Donc bah là, c'est la ça surprise. Laisse c'est plus de spontanéité. Voilà, c'est ça. Exactement. Ce film-là, est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, Bonsaï. Non. Non, ah, pas Bonsaï. Mince. Oui, avec Coluche. Non, c'est pas Bonsaï. Qu'est-ce que c'est ce film? Ah, je me rappelle plus. Mais oui, je vois tout à fait la scène. Bah, écoute, c'est écrit. Inspecteur la bavure. La bavure. Bah oui, la bavure. Ah, oui. La fameuse scène de l'inspecteur la bavure où Coluche est mis en haut de la stèle de Napoléon. Alors pourquoi est-ce que je commence bien avec cet inspecteur la bavure? Eh bien écoute, figure-toi qu'il est arrivé à peu près la même chose à une camionnette cette semaine et ça se passe dans le Finistère. Hop, je vous partage l'information. Voilà, c'est 20 minutes qui nous reportent l'information. Ça s'est passé le 12, hein, visiblement. Et ici, tu vois la petite camionnette. Sur un abribus. Elle a été retrouvée sur un abribus. Et ça s'est passé donc dans la nuit de dimanche à lundi. C'est costaud, les abribus, hein, parce que... Ah ben, ça a l'air bien costaud, hein, vu qu'il n'a pas ployé. Mmh. À Plounévanterre. Voilà. Et personne ne comprend comment ce véhicule a pu arriver là. Tant et si bien que la gendarmerie a mis sur sa page Facebook cette photographie. En plus, ça donne une espèce d'effet brumeux comme ça dans la nuit. J'ai la raison, Antoine. Ah, toi, tu as la raison? C'est pas et la farce de l'équipe de déménageurs? Alors, non. Non. Alors, j'ai vu ça justement ce soir, tu vois, comme quoi, voilà, comme le dit Antoine, hein, c'est sur le vif. Hein. Moi, je réponds à Antoine, bah, j'ai eu la réponse ce soir. Apparemment, ça serait un cultivateur qui avait un différend avec une personne. Alors, je ne sais plus la raison. Et petite vengeance, il a pris son véhicule avec son tracteur pelle sur lequel il a mis installé des fourches et il a levé c'est un Kangoo, je ne sais, enfin le véhicule utilitaire et il l'a posé sur l'abribus. Voilà. Donc c'est un cultivateur pour se venger en fait, qui a fait cette mauvaise blague à quelqu'un. Voilà. Bon, ben effectivement, c'est moins fun que l'équipe de déménageurs. Où on aurait pu croire à un enlèvement d'OVNI qui aurait essayé de tracter... L'abduction de véhicule. L'abduction de véhicule. Ce serait la première fois. En tout cas, moi, voilà, je voulais vous en parler parce que finalement, ça m'a fait penser à un article de Top Secret numéro 93. Donc, ça commence à dater, ce Top Secret-là. Dans lequel j'ai écrit un article. Oui, ben, effectivement, tu avais écrit à l'époque la grande simulation informatique dans ce numéro 93. Qui était vraiment un très bon numéro d'ailleurs, ce numéro 93. Et donc, dans ce fameux numéro, il y avait un article qui m'avait passionné, c'était les étranges déformations des mobiliers urbains. Tu t'en souviens? Oui, tout à fait. Hein, et je crois que dans le prochain numéro de Top Secret, il y a à nouveau un article sur le même sujet. D'accord. Où, voilà, on retrouve pas mal de photos, hein, pas mal de lecteurs avaient envoyé des photos comme ça de mobilier qui prenaient des formes. Alors, complètement impossible, hein, parce qu'il aurait fallu que le camion traverse le mur pour pouvoir défoncer le piqué pour le tordre. Oui, c'était déformé, mais dans le mauvais sens, enfin, on ne comprenait pas comment. Oui. Donc il y avait tout un tas d'objets comme ça, et puis même vous, dans votre quotidien, vous pourriez en rencontrer facilement. Et donc, avant d'avoir cette explication effectivement tout à fait rationnelle de l'agriculteur énervé, je me suis posé la question, est-ce que cette voiture, elle n'a pas fait un peu comme celle de Marty McFly, hein. Et elle est arrivée un petit peu comme ça de nulle part, ce qui pourrait expliquer d'ailleurs les déformations de mobilier urbain.
Voilà, un mauvais virage temporel et on se retrouve sur un abribus. Bon. Ça sera pas pour cette fois-ci, tant pis. Et non, tant pis. Voilà, mais en tout cas, c'était une info cocasse. Voilà, on voulait commencer par celle-ci parce que bon, on l'a trouvée rigolote et ça nous permet de rentrer dans le vif du sujet. On parlait d'abduction donc de véhicules. Eh bien, tu nous as trouvé un phénomène OVNI. Oui, un petit phénomène OVNI qui s'est déroulé le mois dernier aux États-Unis, à Chicago. Donc en fait, je vous laisse découvrir la vidéo. Ça s'est passé donc en septembre. Une femme qui était en présence, enfin avec son fils, qui se prénomme apparemment Ayana, qui a observé cet étrange objet dans le ciel de Chicago. Donc elle a eu la présence d'esprit de sortir son téléphone et de filmer. Donc je vous laisse découvrir voilà cet OVNI. Donc apparemment, il est un petit peu en substantation, il fait un vol stationnaire, se déplace très très doucement. On voit avec les nuages un déplacement. Alors je ne sais pas si c'est les nuages qui bougent tout doucement ou si c'est l'objet. Toujours est-il que voilà, on a vraiment un bel OVNI devant nous là, pour le coup. Parce que je ne sais pas si vous avez réussi à voir un petit peu la forme de l'objet. On se demande comment cette chose peut rester en vol stationnaire à plusieurs dizaines de mètres du sol. Ça ressemblerait pas à une espèce de ballon gonflé à l'hélium qui aurait de loin comme ça ressemblait à une espèce d'oléoduc, tu sais, de tour comme ça. Ouais, mais si tu remets la vidéo, tu vas voir qu'en fait, apparemment, ça fait une espèce de boule sur le dessus avec deux choses qui descendent, une plus longue que l'autre. Et entre deux, il y a du vide. Enfin, et tu te dis, même s'il y a des appareils scientifiques, enfin oui, certains ont dit ça pouvait être une sonde météorologique. Mais bon, ça ressemble pas du tout à ça, quoi. Généralement, comme tu dis, il y a un gros ballon rempli d'hélium et qui est beaucoup plus gros que le reste de l'instrumentation qui est fixé dessus, quoi. Là, je ne sais pas si tu peux faire revoir la vidéo. Tu vois bien que il y a rien qui laisse à supposer qu'il y a un ballon gonflé à l'hélium qui peut tenir ce qui est en dessous. Enfin, il y a pas non plus de présence de d'hélices ou tu vois comme un drone ou parce que certains ont dit que c'était un drone peut-être nouvelle génération. Mais voilà, assez surprenant. Alors, ce qui est dommage, c'est que cette vidéo dure quelques secondes. Hein. On n'a jamais la fin. Je ne sais pas ce qui se passe à la fin. Combien de temps cette personne l'a filmé? Est-ce qu'elle s'en va brusquement ou est-ce qu'elle continue de stagner? Enfin, bon. Ce qui est très dommage avec les vidéos de entre guillemets OVNI, parce que c'est vraiment aujourd'hui c'est très compliqué de faire la part des choses avec ce phénomène. Parce que parfois, ça peut être des mauvaises interprétations de phénomènes astronomiques ou une confusion avec un objet de tous les jours. Hein. Bon, souvent, on met en avant les lanternes thaïlandaises ou les drones. Mais bien souvent, il y a quand même eu des objets de ce type-là qui ont été aperçus, vus, filmés et photographiés. Ouais. En tout cas, voilà, si vous avez plus de news que nous, si vous êtes plus dans les réseaux UFO et que là vous avez des interprétations beaucoup plus précises, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et puis on en reparlera la prochaine fois ou dans une autre émission si l'enquête avance, parce qu'on aime bien faire le suivi de nos enquêtes. Mmh. Alors, Jérôme, moi je t'amène sur une autre enquête. Là pour le coup. Ce n'est pas nous qui l'avons faite, c'est carrément l'université de Yale qui a fait cette enquête. Je ne sais pas si tu connais cette carte-ci. C'est la carte du Vinland. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Mais non. Non, non, Antoine, je ne connais pas cette carte, Vinland. Alors, cette carte daterait, ou prétendument datée, on y reviendra là-dessus, du 15e siècle, en fait, serait antérieure à la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb. Donc, elle serait
daté de 1440, alors que, comme tout le monde le sait, Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Et le problème, c'est que on retrouve le continent américain sur cette île, sur cette carte. En plus, elle représente un certain nombre d'îles alors, fantômes, hein, une île nommée Beati Brandani, l'île de Sainte Brandane, qui n'existe pas ou plus peut-être, une autre île située à l'ouest qui s'appelle Vindala Insula, bon, etc., etc. Et donc, cette carte, la fameuse université de Yale, l'aurait acquise dans les années 50. Et immédiatement, ils se sont demandé si c'était une vraie carte, parce que la façon dont elle était dessinée, l'encre, tout paraissait vraiment, vraiment suspect. Mais ils ont quand même décidé de l'étudier, de la garder. Et au fur et à mesure de leur enquête, ils ont commencé à se demander si vraiment c'était pas une fausse carte, notamment à cause de cette encre qui avait été employée pour pouvoir dessiner les contours de la carte. Déjà en juillet 2002, ils ont détecté des quantités non négligeables de dioxyde de titane dans l'encre. Mmh. Or, les cartes moyenâgeuses étaient réalisées avec du fer, et là, c'était un mélange de dioxyde de titane et de carbone. Voilà. Et donc, ça aurait dû être une encre. Une encre utilisée plus tardivement que la datation de cette carte. Tout à fait. Simplement, tu as une historienne qui s'appelle Jacqueline Olin. Qui dans une autre université, celle du Smithsonian Institution, elle disait si il est possible d'avoir ce type d'encre au Moyen-Âge. Donc tu vois, voilà, il y a eu vraiment des batailles de spécialistes sur cette carte-là. Et après, les années ont passé, ils l'ont quand même classé ils l'ont pas réellement classé en carte tout à fait véridique, ils avaient encore des gros doutes, et puis là ça vient de tomber. C'est Raymond Clemens, le conservateur des livres anciens de cette université de Yale, qui a confirmé que c'était un faux, parce que au spectromètre à fluorescence X, là il n'y a plus de doute sur la composition de l'encre, et effectivement elle contient du titane. Or, ça ne peut pas être une encre antérieure à 1920, date du découverte du titane. D'accord. Donc du coup, ils ont décidé de la garder, cette carte, parce qu'elle est sympa. Le faussaire, on ne sait pas qui l'a faite. Donc elle aurait été réalisée au début du 20e siècle, mais ils sont incapables de dire qui a fait cette carte. Et donc, elle a été... elle va être mise toujours exposée, mais en... Alors comment est-ce qu'ils ont noté ça? La carte restera dans la collection de l'université de Yale et elle constituera désormais un objet historique en étant un bel exemple de contrefaçon à l'impact international. Donc c'est assez rigolo. Alors, la vraie question, c'est est-ce que c'est un vrai faux? C'est ça. C'est toujours pareil. Parce que moi, il y a un auteur que j'adore qui s'appelle Antoine Bello. Si vous ne le connaissez pas, son ouvrage s'appelle Les Falsificateurs. Et on est exactement dans ce système-là où, je vous fais la quatrième de couverture rapidement, c'est l'histoire d'une organisation secrète internationale qui falsifie la réalité et dont personne ne connaît les motivations. Et donc, en fait, leur objectif, pour pouvoir faire pencher la réalité et puis le futur d'une façon ou d'une autre, ils vont recréer des objets du passé et les intégrer comme ça, en les faisant soudainement ressurgir en tant que preuve. Et là, typiquement, pour faire ce genre de contrefaçon, il décrit le mécanisme, et c'est vachement bien. C'est très simple en plus. Hein. Il suffit juste de reprendre des vieux ouvrages qui dateraient du 14e, même 13e siècle, de gratter l'encre, la faire fondre, de prendre d'autres vieux ouvrages
de nettoyer des feuilles ou même d'avoir des feuilles d'un ouvrage qui date de cette époque et puis qui n'aurait pas été utilisé parce qu'il y a des feuilles perdues comme ça. Donc la feuille date aussi du 13e siècle par exemple. Tu reprends ton encre que tu as fait fondre et donc du coup qui est un nouveau liquide que tu peux à nouveau réutiliser pour faire ton faux. Tu le perds comme ça dans une bibliothèque. Et puis au bout d'un moment, soit t'orientes, soit par chance il y a quelqu'un qui le retrouve. Waouh, regardez, c'est une carte du 13e siècle. Mais si elle est complètement juste, regardez, on peut dater au carbone 14 la feuille, l'encre, etc. Donc en réalité, c'est super facile de faire des fausses preuves historiques. Donc c'est pour ça là-dessus, je suis assez étonné. Parce qu'en définitive, si c'est un faux, le faussaire, il ne s'est pas super bien pris. S'il a utilisé une encre actuelle, il savait très bien qu'avec le temps, on allait découvrir la supercherie, quoi. C'est exactement ça. Donc, le problème de ce genre de carte, ça remet en cause des faits historiques, des vérités historiques. Surtout ne pas imaginer que les Vikings aient pu, à un moment donné, coloniser l'Amérique du Nord. Sinon, ça pourrait remettre en cause un certain nombre de vérités historiques. Mais il y a d'autres cartes comme ça, hein, qu'on connaît bien. Bien justement, allez, on en reparle dans le fameux top secret numéro 93. Il y a Piri Reis, tout à fait. Il y a la fameuse carte de Piri Reis qui est décortiquée dans ce numéro. Et l'intérêt de cette carte, je crois de mémoire, c'est on retrouve exactement les contours de... Alors, je me plante à chaque fois. Arctique, Antarctique, c'est lequel qui est au sud? Je crois que c'était Arctique. D'accord. Antarctique. Oh, je ne sais plus, je confonds. Ah, ça y est. Mais oui, on voit tout à fait le contour de ce continent dépourvu de glace. C'est ça qui est le plus intéressant. Donc, allez, je viens de vérifier rapide. C'est bien l'Antarctique au sud, de toute manière. Voilà, on se plante une fois sur deux. Et effectivement, ces contours-là, on ne peut nous les définir aujourd'hui parce que on a des satellites. C'est ça. Voilà. Et comment Piri Reis en 1513, sans satellite, a pu avoir ces contours de sans glace en plus, parce que c'est vraiment les. C'est ça. C'est comme si ce continent était dépourvu de glace à l'époque où la carte a été réalisée. Et... Voilà. C'est ça. Donc, est-ce que c'est un faux? Est-ce que c'est pas un faux? On est vraiment dans le même ordre d'idées. Et allez, une dernière carte, peut-être que vous connaissez. Hop, je vous la partage. C'est la carte de Francesco Rosselli. Réalisée en 1508, la carte du monde. Avec 5 cités de l'Antarctique. Des îles disparues à son large. Et entre autres, l'Australie, qui a été découverte en 1819, au passage. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu la connaissais, cette carte-là. Oui, mais apparemment, il y aurait une transmission secrète de plusieurs cartes dans beaucoup de domaines scientifiques, mais c'était tenu sous le boisseau. Et donc, chaque explorateur refaisait des cartes à partir d'anciennes cartes qui avaient été faites, à partir d'anciennes cartes, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a très, très longtemps, on connaissait tous les continents, ça avait été répertorié, et puis certaines choses ont été un petit peu tenues secrètes, je pense, peut-être pour simplement avoir mainmise sur un territoire non conquis, être les pionniers, quoi. Voilà. Ne pas divulguer l'information aux autres continents qui commençaient à explorer aussi le monde, quoi. Ouais. En tout cas, écoute, si tu veux en savoir plus sur cette carte, eh bien, je t'invite à lire Génération Cité d'Or, le numéro 8, eh bien, celui qui va sortir. En tout cas, eh bien, déjà à le précommander, parce que eh bien, voilà, l'ouverture de la précommande de ce Génération Cité d'Or numéro 8 spécial Atlantide et Monde disparu, ça s'ouvre ce week-end. Et dès sa sortie, eh bien, vous pourrez savoir ce qu'il en est exactement de cette carte et de ses secrets révélés par Franck Ferrandis. Voilà. Bon, et puis on parle de cartes, pour faire une vraie carte, il faut prendre un petit peu de hauteur, et puis pour prendre de la hauteur, eh bien, quoi de mieux qu'une voiture qui vole? Eh oui, Antoine, une voiture qui vole, hein, ça nous rappelle notre enfance, je pense que
tout comme moi, Antoine, tu imaginais quand tu étais enfant l'an 2000 avec des voitures volantes, un petit peu comme dans le film Cinquième élément, par exemple. Et bah, malheureusement, on a passé le cap de l'an 2000, on n'a toujours pas de voitures volantes. Voilà, on est un petit peu déçus. Mais ça a peut-être changé grâce à une personne qui s'appelle Marcus Lange. Donc, c'est un Canadien. Il a eu l'ingénieuse idée de créer une voiture volante monoplace en partant sur le principe de la technologie du drone, en fait. Et c'est ce que je trouve vraiment génial dans son idée. Donc, en fait, il a commencé à fabriquer une voiture volante monoplace avec justement des moteurs surpuissants pour alimenter des hélices et puis une forme assez complexe aérodynamique qu'il a étudiée et il a réussi à mettre au point après de nombreuses années de recherche de développement ce véhicule que l'on voit là sur l'image et je trouve c'est vraiment génial. Donc, on peut faire du géostationnaire, on décolle à la verticale, il n'y a pas besoin de piste de décollage ni d'atterrissage. Hein. Et voilà, là, vous voyez, il fait du géostationnaire au-dessus d'un lac. Enfin, moi, je trouve ça vraiment le concept super génial. Il faut savoir que donc c'est un Canadien, hein, il a développé ça chez lui au Canada. Il a déménagé en Californie, il a trouvé des investisseurs. Et il a lancé sa société, ça s'appelle OpenAir, donc OpenAir. Vous pourrez aller voir sur Internet le site de cette industrie où il présente justement cet objet volant. On va pas dire qu'il est non identifié, là, il est bien identifié. Il s'appelle le Black Fly. Voilà. Donc et voilà, vous pouvez décoller de votre jardin. Alors, il faut savoir que là, il a vraiment abouti au projet. Il a eu toutes les homologations aux États-Unis et il a mis en vente son produit. Donc, il compte en vendre 25 là au mois de, automne 2021. Donc, si vous êtes intéressé par son véhicule, c'est homologué. Alors, aux États-Unis, je ne sais pas si par rapport aux lois européennes, si son véhicule volant peut être homologué en France ou en Europe, hein, à voir. Mais aux États-Unis, vous pouvez, pour la modique somme de 45 000 euros, moi je trouve que c'est pas si cher que ça, pour un véhicule volant, vous pouvez vous acquérir ce Black Fly, voilà. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, le prix, mais 45 000 euros, mais oui, c'est que dalle dans l'absolu. C'est abordable, c'est le prix d'un SUV, quoi. C'est C'est ça. abordable. Bon, après, tu rentres pas toute la famille dedans, mais. Non, c'est un monoplace. Pour l'instant, c'est un monoplace. Bah, en fait, comme je te dis, il utilise la technique des drones. Hein. Donc, il a des moteurs surpuissants. Il y a 8 hélices, 4 sur l'aile arrière et 4 sur l'aile avant. Et avec le même procédé que les drones, tu peux, en fonction de la direction dans laquelle tu veux aller, tu agis sur les différents moteurs, avant, arrière, haut, bas, gauche, droite, etc. Et c'est comme ça que tu manipules l'objet, enfin le véhicule. Et je crois qu'il a une autonomie d'environ 40 km. Donc Pas vitesse beaucoup, bordel. maximum, pas beaucoup. Bah non, non, C'est pas beaucoup. ça fonctionne Là, sur pour le coup, il batterie. vaut Hein. mieux pas tomber en panne d'essence. Hein. Alors, c'est pas de l'essence, c'est des batteries, justement. Ouais, Il est complètement électrique. mais. Alors, il a prévu le coup justement pour que il ait l'homologation. Moi, je suis allé sur son site, j'ai un petit peu regardé le prototype, Il y a un comment petit c'était. quoi, il y a un petit parachute? Exactement. En fait, il y a un parachute balistique installé à l'arrière. Donc, si jamais il y a un pépin, hein, je pense qu'à l'intérieur, dans le cockpit, tu dois avoir un bouton d'urgence et ça te déploie comme un airbag, un gros parachute à l'arrière en quelques fractions de seconde pour que tu puisses te poser en limitant la casse, quoi. Voilà. Et en même temps, il y a la même technologie que sur des drones, c'est-à-dire que tu as la fonction atterrissage automatique, retour à la maison automatique. Je pense que quand l'appareil n'a plus beaucoup de batterie et que par rapport à la distance que tu as parcourue, il calcule comme les drones, il sait à un moment de dire, bon, voilà, on a encore assez de batterie pour revenir à ton point de départ et clac, automatiquement il revient à son point de départ. Enfin, il a vraiment verrouillé le truc pour que ça soit vraiment sécurité. Et bah comme je te dis là, il est homologué aux États-Unis, donc voilà. Ok, bon bah écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Si vous avez plein d'argent, vous ne savez pas quoi faire de votre argent, vous nous en achetez un chacun. Hein, ça. Puis on fera, des tests. On fera des tests. C'est vraiment juste pour tester. C'est ça. Non, mais j'ai vraiment trouvé le principe génial. Quoi. C'est excellent. Mais c'est l'avenir de toute manière. C'est ça. Il ne faut pas se leurrer. Il y a tellement de difficultés à circuler. Ça en créera peut-être sûrement de nouvelles, mais de toute manière, comme tout sera automatique... En plus, il n'y a pas besoin de brevet de pilotage. Contrairement à un avion, un petit ULM, etc., il faut un brevet de pilotage. Là, il n'y a pas besoin, parce que tu n'as pas besoin de piste d'atterrissage, de décollage, de connaître les différentes règles. Sur. Bon, ceci dit, dans l'exemple qu'on a vu, il s'entraînait dans un simulateur quand même avant de... C'est ça, il propose, avant de monter dedans, il propose une formation dans un simulateur pour comprendre le maniement. Et puis la personne a fait le test et après elle est dans le Black Fly, elle a fait un petit tour de 5 minutes. Ça s'est bien passé, elle est revenue, elle a dit oh, je voudrais refaire 5 minutes s'il vous plaît. Elle est repartie 5 minutes. Parce qu'apparemment ça va être kiffant quoi, de voler dans un engin comme ça. Voilà. Ok, bon ben voilà, écoute, on finit sur cette note... positive. C'est encore passé très très vite, je sais, vous nous le dites à chaque fois, mais on reste à la demi-heure, voilà, ou à peu près une demi-heure. On a été heureux de pouvoir la partager avec vous, et puis eh bien, on vous donne rendez-vous samedi prochain. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux bien nous suivre. Et puis si vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, salut Jérôme. Salut Antoine, à bientôt.